L'échappée a vraiment creusé l'écart. Le peloton ne semble pas réagir. Le tempo s'est ralenti. On ne s'entend plus en tête du peloton. Les vélos sont énormément sollicités sur les secteurs pavés et des cadres spécifiques ont été adoptés. Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des 15 derniers kilomètres. L'écart augmente, le peloton, lui, ne semble pas concerné. Le rythme est plutôt modéré, les coureurs doivent s'économiser avant les hostilités. Encore 10 km à parcourir. Encore une crevaison. Le peloton ne semble pas réagir et l'échappée creuse l'écart. Il reste moins de 5 km à parcourir. Les coureurs doivent rester vigilants sur ce secteur pavé. Les vibrations engendrent une fatigue supplémentaire. C'est parti pour le sprint final. Qui va être le premier sur la ligne aujourd'hui ? Il aura donc eu les ressources pour aller chercher cette très belle victoire.